Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 12 au 18 juillet. C'est pour tous les signes, donc euh, votre horoscope avec bien évidemment des conseils pour mieux gérer la conjoncture et pour mieux gérer vos relations avec les autres, les petits soucis que vous pouvez avoir. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez nous retrouver, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, ainsi que Tipeee où vous pouvez avoir des réponses à vos questions. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, eh bien il y a malheureusement euh, l'aspect fort de la semaine, c'est une opposition Vénus Saturne et vous savez combien euh, Saturne peut être un frein, euh, peut créer des ennuis, des soucis, euh, euh, parfois de la tristesse hein, aussi de la nostalgie, euh, et tout ça... Euh, bon, comme elle est opposée à Vénus, ça va forcément toucher votre vie sentimentale ou alors quelqu'un que vous aimez. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, ça n'est pas de lutter contre la tristesse, l'amorosité, vous voyez, contre des sentiments qui sont effectivement vécus comme négatifs. Hein, on, on voudrait toujours être dans le bien-être, dans le bonheur, dans, dans la sensation de détente. Et, et malheureusement, avec Saturne, ça n'est pas possible. Euh, on a la tête sans arrêt prise par le problème qui nous préoccupe. Alors, vous avez le, la possibilité, effectivement, euh, si vous le pouvez, de vous vider un petit peu la tête, euh, et, et pour ça, euh, la méditation, la relaxation sont des, euh, des techniques hein, vraiment très utiles pour se vider la tête. Ça ne vous empêche pas d'affronter le problème, hein, simplement vous pouvez trouver des moments de détente et de relaxation. Et ça, c'est quand même très important quand on vit des moments un petit peu euh, ou difficiles ou euh, tristes, comme je vous l'ai dit, avec des émotions tristes. Donc euh, il ne faut pas les, les refouler parce que de toute façon, euh, ça vous fera plus de mal après dans votre corps hein, que euh, la souffrance morale que vous pouvez avoir sur le moment. Euh, après tout, ça fait partie des sentiments humains, n'est-ce pas euh, Et on ne peut pas être dans la joie en permanence. Donc il faut accepter la tristesse, la frustration comme on accepte... Euh, la joie euh, que bien évidemment on accueille avec beaucoup plus de plaisir. Hein, ça, je suis d'accord euh, avec vous. Mais bon, là, ça ne concerne, cela dit, que le deuxième décan. Hein. Mais bon, Saturne est une planète qui a une forte influence, donc peut-être une partie du premier décan, une partie du troisième peut aussi ressentir euh, les influx de Saturne. Et, pour vous, les conseils seront les mêmes, sont les mêmes que ceux que je viens de donner au deuxième décan. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a d'autres planètes, bien évidemment, dans le thème et qu'elles peuvent euh, atténuer ce que je viens de dire, hein, donc ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Deux bonnes journées, samedi et dimanche, avec la Lune en Sagittaire, alors peut-être... C'est le signe du voyage. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous déplacer, partir en vacances, rejoindre des amis, tout ça dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous aimerez beaucoup euh, euh, samedi et dimanche parce que vous vous sentirez loin de vos problèmes. Et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, nous avons un aspect dynamique, hein, qui est celui de Mars, qui va vous donner la pêche, parfois un peu trop. Hein, euh, disons qu'il ne faudra pas trop vous énerver, euh, enfin, les autres hein, devront faire attention à ne pas trop vous énerver, parce que vous serez réactif. Alors, être réactif, ça peut être aussi positif que euh, négatif. Ça peut euh, vous faire réagir euh, au bon moment et très vite s'il y a une situation de danger ou quelque chose de ce genre, mais ça peut aussi vous rendre un petit peu euh, trop susceptible. Et puis alors, vous allez euh, tout de suite euh, hein, euh, dire, euh, riposter et parfois euh, dire des choses pas très gentilles. Mais enfin, vous, le taureau, vous êtes quand même... Votre nature, c'est quand même d'être gentil, euh, d'adoucir de, de, les choses, de ne pas rechercher le conflit. Et il est possible donc euh, avec euh, cet euh, aspect dynamique de Mars, euh, bah on vous cherche hein, et on essaye euh, de créer un conflit. Mais je vous fais confiance. Et euh, d'ailleurs, vous avez euh, euh, la possibilité, étant donné que Vénus est dans un signe amical, enfin en, en, en harmonie avec le vôtre, très certainement vous saurez calmer, remettre à leur place ceux qui essayent de créer du conflit. Alors vous serez bien entouré hein, avec cette Vénus du Cancer, surtout si vous êtes du deuxième décan. Mais il est possible que quelqu'un vous manque, qu'une personne qui devait être présente se soit décommandée. Vous voyez qu'il y a quelque chose, hein, bon, qui mettra un petit un petit nuage dans votre ciel mais bon en général vous serez quand même euh, plutôt en, en très bons termes avec les autres euh, tout au long de la semaine lundi et mardi devraient être de bonnes journées avec la lune en capricorne ami hein, taureau parce que bon c'est votre signe de voyage de prise de distance et euh, bon cela dit, dans le contexte actuel, euh, bon, à part quelques-uns du premier des décan qui sont quand même encore un petit peu à fleur de peau, euh, bon, vous n'avez pas tellement besoin de prendre la distance, mais besoin de vacances, hein, oui! Donc si vous partez en vacances, ce sera sous de bons augures! Gémeaux et ascendant gémeaux, dans votre horoscope de, ce, de cette semaine, vous avez deux bons aspects. Euh, euh, dynamique et positif de Mars, un autre euh, qui pourrait être bien euh, celui de Mercure hein, si la planète n'était pas rétrograde. On commence avec euh, Mercure parce que c'est votre planète maîtresse, elle est euh, rétrograde sur les premiers degrés du lion donc elle est en, en bon aspect avec euh, vos... Euh, si vous êtes du tout début du signe. Hein. Euh, le fait qu'elle soit rétrograde, elle vous dit tout simplement euh, que d'abord, il ne faut pas parler trop vite, qu'il euh, faut bien réfléchir avant de dire ce que vous avez à dire, c'est-à-dire construire votre pensée, ne, euh, euh, envisager euh, les conséquences de ce que vous allez dire et euh, ne pas, euh, comment dire, euh, essayez de contrôler un petit peu votre spontanéité. Elle est tout à fait charmante, et ça fait vraiment partie euh, de ce qu'il y a de séduisant chez le Gémeaux parce que ça lui donne un côté frais, euh, euh, jeune, vous voyez, il y, y a toute cette dynamique chez le Gémeaux et qu'il garde toute sa vie. Hein. Mais là avec un Mercure rétrograde, on vous demande et euh, c'est vous-même intérieurement qui vous donnez euh, ce petit conseil donc d'être un petit peu plus réfléchi et euh, de ne pas dire immédiatement tout ce qui vous vient à l'esprit parce que c'est une tendance aussi chez les Gémeaux parce que vous êtes tellement observateur et vous êtes aussi très partageur donc tout de suite ce que vous voyez, ce que vous analysez autour de vous, ce que vous captez, ben vous avez euh, Envie de le partager avec les autres, avec ceux qui vous entourent, et, et c'est tout à votre honneur. Mais là, il faut faire un tri. Hein? Faites attention, d'autant plus que euh, Mars est également en Lion et à peu près au même endroit. Hein? Donc euh, ça donne euh, de la vitesse, <laughs> ça fait accélérer, et donc ça euh, peut accentuer un petit peu votre impulsivité, votre euh, euh, votre rapidité d'esprit, votre rapidité de répartie, tout ça sera très bien si vous êtes un comique et que vous faites du stand up, hein? mais dans la vie réelle avec vos proches, soyez un petit peu plus... Euh, voyez, vous prenez la, surtout la mesure de ce que vous allez dire. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi avec la Lune en Verseau, alors euh, bon c'est Également une lune voyageuse pour vous aussi, euh, c'est-à-dire qu'il est possible que vous décidiez de partir. Mais comme la lune est en verseau et que c'est un signe d'imprévu, il est possible que ce soit une décision de dernier moment, que vous vous disiez, oh bah tiens, pourquoi j'irai pas là plutôt que d'aller là? C'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis aussi sur la destination que, que vous allez prendre, ou, sur une invitation qui vous a été faite, euh, vous dire, oh, bah, j'irai ou j'irai pas, selon votre bon vouloir. Cancer et ascendant cancer, dans, dans cet horoscope de la semaine, eh bien, il y a un aspect qui est un petit peu ennuyeux, mais on va voir comment bien le vivre et, et bien le gérer. Euh, disons que Vénus est dans votre signe, hein, dans votre deuxième décan, elle vient d'entrer dans votre deuxième décan, et elle est opposée à Saturne, et ça va concerner à peu près tout le décan, et euh, il n'est pas sûr que le premier et le troisième n'en aient pas des échos, hein, euh, vous me direz, vous me donnerez votre, votre impression. Alors cette opposition Vénus-Saturne, elle est frustrante. C'est la fonction de, de Saturne que de nous mettre face à des réalités un petit peu compliquées et, et, et qui font que, bon, on n'a pas de plaisir. Hein, on est privé de plaisir ou on, est, ou, ou on est privé de sentiments aussi. On se met une carapace pour ne pas ressentir des choses qui pourraient être un petit peu douloureuses. En conséquence de quoi euh, comment dire Étant donné que vous ne pouvez pas éviter cela, hein, vous pouvez pas. Vous n'êtes pas en danger. C'est simplement, ce sont des émotions qui sont en question. Hein, vous ne pouvez pas partir en courant. Hein, euh, ce serait une réaction un petit peu infantile. Et puis de toute façon, ce qu'on fuit nous suit toujours. Hein, donc affronter. C'est vraiment. Et, et vous avez la capacité de faire ça vous les Cancers, hein, parce que vous êtes beaucoup plus, euh, comment dire accrocheur, dynamique, euh, qu'on peut euh, le penser euh, de par le fait que vous êtes un signe hein, d'eau, donc très réceptif, très sensible et euh, éminemment euh, réactif. Donc vous avez en vous la, la force, beaucoup plus que vous le croyez, et c'est précisément le but de Saturne, c'est de vous rendre plus fort. Hein. Donc, peut-être que vous avez une épreuve hein, à, à dépasser, mais qu'est-ce que vous serez fier de vous et qu'est-ce que vous serez, vous vous sentirez plus mûr et plus fort et plus résistant euh, si vous dépassez euh, cette épreuve et que vous en tirez aussi un enseignement, parce que avec Saturne, on a toujours quelque chose à apprendre. Une journée plutôt bonne, c'est vendredi. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais la lune vous est favorable. Vendredi, elle est en scorpion, donc pour vous aussi dans votre signe de voyage, donc c'est très possible que vous puissiez lever le camp vendredi et vous rendre sur votre lieu de vacances. Alors attention étant donné que vous êtes un signe d'eau et que la lune se trouve dans un signe d'eau euh, ne laissez pas vos émotions, votre énervement euh, vous gagner et euh, gagner les autres, hein, parce que quand vous êtes énervé et, et ben en général c'est très communicatif et votre entourage se met à s'énerver aussi. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux aspects importants Mercure qui rétrograde sur les premiers degrés de votre signe et Mars qui, au contraire, avance sur la deuxième partie de votre premier décan. Hein. C'est surtout le premier décan qui est concerné par les aspects de la semaine. Alors cette euh, conjonction de Mercure rétrograde avec votre soleil, elle vous dit que vous devez être patient, que vous devez attendre, que vous ne devez pas parler non plus euh, euh, trop vite ou euh, voyez vous montrer trop flatteur avec les autres. Il faut garder avec un Mercure rétrograde une certaine réserve. Hein? Euh, euh, plus vous ferez attention à la façon dont vous exprimez, à la façon euh, même dont vous êtes avec vos enfants-adolescents ou avec vos proches, etc. Euh, mieux ça se passera parce qu'un Mercure rétrograde, il vous dit, étant donné qu'en apparence hein, euh, on le voit, euh, on voit la planète reculer, mais c'est vraiment une illusion d'optique, c'est hein. interprété par l'astrologie depuis toujours, donc on en tient compte. Euh, donc cette planète rétrograde, elle vous dit mesure, prudence, euh, euh, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention aussi à des gestes, euh, à, à des attitudes qui peuvent donner à penser aux autres. Hein. C'est ça aussi. Euh, vous êtes soucieux de votre image en tant que lion, hein, et ça c'est une bonne chose. Euh, et avec un Mercure rétrograde, ben il faut être encore plus euh, euh, pas soucieux, mais Attentif à l'image que vous donnez de vous-même. En revanche, donc, Mars, elle, elle est en, en activité, enfin, elle, elle est en marche directe et vous risquez d'être un petit peu trop impulsif, trop spontané, euh, d'avoir des réactions un peu trop fortes. Donc là, c'est une question euh, de vous canaliser. Alors je sais que ça n'est pas facile parce que vous allez être un petit peu aiguillonné hein, par ce Mars, vous aurez envie d'imposer euh, hein, votre façon de penser, votre façon de faire, euh, euh, simplement penser à, euh, aux conséquences que ça peut avoir et comment euh, justement les gens euh, vont, euh, l'image de vous que vous allez donner aux autres si vous vous mettez à piquer une grosse colère samedi et dimanche seront de bonnes journées avec une Lune en Sagittaire, donc alors on est maintenant dans le registre du plaisir avec la Lune Sagittaire, soit que ce soit vous qui ayez envie de faire plaisir aux autres et ce sera le bon moment, soit bah, que ce soit les autres hein, qui aient envie de vous faire plaisir, et en tant que lion, vous savez recevoir, ce hein? euh, euh, c'est pas toujours donner, il y a des gens qui préfèrent euh, être dans le don. Vous, euh, vous aimez donner, mais vous savez aussi recevoir. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, ah ben, il y a plusieurs choses intéressantes. Alors, il faut d'abord savoir que vous avez deux planètes dans votre secteur 12 qui est un secteur de passivité, euh, c'est-à-dire Mercure, votre planète maîtresse, qui en plus de ça est rétrograde, et euh, Mars, euh, donc euh, un Mars qui est un peu dévitalisé. Hein. Tout ça va dans le sens d'un euh, lâcher-prise, c'est-à-dire que euh, vous qui aimez tellement votre travail, et c'est vrai, vous êtes un accro souvent au travail, il faut lâcher un peu prise. C'est ce que vous dit ce secteur 12 qui est un... Un secteur de, de passivité et euh, mars et mercure sont deux planètes très fortes pour pour vous au niveau du travail hein, et du travail quotidien alors même si vous êtes en vacances je vous vois venir vous aurez envie de vous occuper du jardin de faire la cuisine ou de vous voyez de vous occuper les mains ou la tête bon alors c'est sûr que que euh, c'est une bonne chose dans la mesure où, euh, bon, ça va aider les autres. Hein. Mais vous, est-ce que ça va vous aider Est-ce que ça va vous permettre de vous reposer Et surtout de reposer votre mental Parce que la question est là. Euh, vous avez un mental qui est toujours en activité, hein, jour et nuit. Alors, bon, ce Mercure qui est en 12, il vous dit, ah, stop euh, laisse-moi un petit peu tranquille, intéresse-toi à d'autres choses? Bon euh, si vous pouviez être un petit peu plus dans l'action, hein, l'action permet d'être moins dans la pensée, moins dans la réflexion. Euh, bon ça c'est vraiment un, un conseil de base. Ensuite il y a des euh, techniques ou même des centres d'intérêt qui peuvent euh, bon, un petit peu, vous changez les idées, hein? c'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Et puis faites aussi travailler votre intuition parce que les planètes en 12, elles sont intuitives, donc euh, euh, si vous agissez, si vous parlez, si vous avez euh, précisément quelque chose à dire, hein? écoutez ce que vous disent vos petites voix, euh, euh, si c'est le bon moment ou pas. Lundi et mardi seront des bonnes journées parce que euh, vous serez euh, euh, content de vous, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. La Vierge a tendance, hein, je vous l'ai dit souvent, à se dévaloriser, à ne se pas voir euh, aussi bien qu'elle n'est, etc. Donc avec cette lune euh, du Capricorne, et ben vous serez un petit peu rassuré sur votre potentiel de séduction, et je vous conseille de ne pas hésiter à l'utiliser euh, pendant les deux jours, mais à, à plein pot. Hein. Balance et ascendant balance. Dans votre horoscope de cette semaine, il y a un aspect qui est un petit peu difficile, mais il est corrigé par d'autres. Hein. Donc, euh, c'est une dissonance, une opposition entre Vénus et Saturne, dont on sait qu'elle a un pouvoir un petit peu frustrant, attristant, ça vous rend morose, ça vous oblige à vous replier sur vous-même, à vous refermer, vous voyez euh, tout, tout ce qui est de Saturne parce que Saturne elle est en Capricorne et elle est chez elle, elle est plus forte que cette pauvre Vénus qui se trouve face à elle, euh, en Cancer. Euh, Face à euh, une situation qui est très probablement pour le deuxième décan, je précise, hein, euh, qui est euh, probablement un petit peu pénible à vivre, parce que vous pouvez aussi avoir un choix important à faire, un hein, choix de carrière hein, pour certains, et vous êtes forcément hésitant, déjà que vous l'êtes de nature, euh, avec cet aspect, vous le serez encore. Plus. Donc, quelle que soit la situation, que vous ayez euh, de la tristesse à, à, à gérer ou que euh, vous ayez un choix à faire, vous savez quoi Vous vous asseyez et vous réfléchissez, mais pas pendant des heures. Hein. Vous réfléchissez au fait que il faut en parler hein, et à qui vous pouvez en parler. Vous avez un Mercure qui est justement bien placé pour parler. Hein. Alors je vous en prie, trouvez quelqu'un avec qui en discuter et euh, qui aura, euh, qui peut vous donner des bons conseils. Alors, ça peut être un proche, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelqu'un euh, un peu spécialisé dans l'écoute ou un avocat, euh, euh, quelqu'un qui va vous donner des idées, des conseils de comportement. Vous voyez, qui va avoir un côté un peu guide, finalement, parce que si vous, en tant que balance, vous êtes souvent un guide pour les autres, hein, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, vous savez vous occuper des autres, mais mieux que personne. Hein. Alors, c'est votre rôle, mais il peut vous arriver d'avoir besoin, vous aussi, d'être guidé, et là, il ne faut pas hésiter à demander. Deux journées sympathiques mercredi et jeudi avec une lune en Verseau qui vous donnera envie bah, d'être un petit peu différent des autres jours. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous changerez votre manière de vous coiffer, de vous habiller ou euh, un détail de votre physique. Euh, bon. Euh effectuez juste un petit changement et vous verrez que tout le monde le remarquera. Hein, ce qui vous euh, fera du bien parce que ça voudra dire que on fait attention à vous. c'est important pour la balance. Musique scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine euh, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Euh, avec l'autorité, que ce soit la vôtre ou celle des autres, vous serez un peu rebelle, on va dire. Euh, et là, je m'adresse surtout au premier décan euh, qui euh, acceptera mal qu'on lui refuse quelque chose. Bon, cela dit, c'est un petit peu normal. Hein, c'est mais vous serez euh, assez réactif et des réactions euh, qui peuvent être un petit peu dures. Hein. C'est-à-dire que bon, vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas le temps euh, toujours de réfléchir et euh, bon, ça sortira euh, comme ça. Alors euh, essayez, si vous ne voulez pas qu'il y ait de conflits qui s'installent. Euh, bon, cela dit, vous ne détestez pas le conflit non plus. Hein? Euh, euh, on, souvent, euh, on, on en a souvent parlé. Euh, donc, euh, ce que je peux euh, vous conseiller, c'est d'essayer de, d'écouter de, la voix de la raison. Parce que vos petites voix intérieures, elles vous diront ce qu'il faut faire. Elles vous diront qu'il ne faut pas aller trop loin, qu'il faut vous canaliser, qu'il euh, y a... Euh, que vous avez un bon aspect de Saturne, et qu'il faut le faire parler cet aspect de Saturne, c'est-à-dire que euh, il faut rester mesuré, euh, et, et surtout mesurer le poids que peuvent avoir vos actes et vos paroles. Euh, très souvent euh, bon, le Scorpion il est un petit peu dans le... comment dire, dans une communication intuitive, c'est-à-dire que euh, vous dites les choses parce que vous êtes persuadé que l'autre, que votre interlocuteur va comprendre ce que vous voulez dire, qu'il va l'entendre. Mais euh, bon, parfois ça marche pas. Parfois vous avez affaire à des gens qui sont vraiment complètement fermés à ce type de communication et qui entendent des mots qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas ceux qu'ils attendaient hein, de votre part. Donc essayez de, de, de réfléchir avant de vous exprimer, je ne peux pas vous dire mieux, euh, euh, même si vous ne répondez pas tout de suite, même s'il y a un temps de latence entre euh, bon, le moment où vous devez répondre et celui où vous répondez, euh, ça n'a pas d'importance, euh, l'autre en face, il attendra, euh, que vous répondiez et à ce moment-là vous direz exactement ce qu'il faut, sans euh, éventuellement euh, le ou la blesser. Lundi et mardi seront des bonnes journées avec la lune en Capricorne. Alors pour vous, le scorpion, c'est justement un secteur, un signe de communication. Et le Capricorne, il vous dit d'être quand même très réservé. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je viens de vous, de vous dire. Essayez de ne dire que l'essentiel et de réfléchir. Vraiment de vous poser et de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, les planètes vous ont à la bonne, c'est-à-dire que vous avez Mercure, planète d'échange, en Lion, bien placée, mais elle est rétrograde, donc bon. Je vous expliquer. Et euh, Mars est très bien placé aussi. Alors, vous avez une pêche d'enfer. Hein. Euh, le, les planètes en lion occupent un secteur euh, qui parle de voyage, de prise de distance, de, de tout ce que vous aimez, hein, finalement, de tout ce qui vous réjouit, de tout ce qui vous épanouit. Alors les vacances sont probablement là hein, pour la plupart d'entre vous. On va passer le 14 juillet cette semaine. Donc c'est une date hein, pour partir en vacances. Donc je pense que c'est ça qui va vraiment vous réjouir. Et puis vous allez pouvoir peut-être vivre une aventure. En effet, avec Mars. Euh, Placée là où elle est, elle accentue votre goût pour l'aventure, pour le, le, la découverte, l'exploration de nouveaux domaines, alors forcément des, des endroits, des lieux où vous n'êtes jamais allé. Ou alors, si vous restez chez vous, vous explorerez des domaines intellectuels, philosophiques, enfin tout, euh, politiques, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y aura cette notion d'exploration. Et alors là, laissez-vous aller, franchement, parce que c'est votre truc. C'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous nourrit. Euh, vraiment intellectuellement et vous permet de développer hein, des, des, des qualités intellectuelles qui sont parfois vraiment très très belles quand vous ne développez pas des qualités sportives hein, qui sont également très belles parce que vous avez l'esprit de compétition et euh, vous l'aurez hein, avec ce Mars en Lion, vous aurez forcément l'esprit de compétition. Maintenant le Mercure rétrograde, qui est vraiment euh, pour les tout premiers jours du signe, il est très possible que vous attendiez une réponse, que vous attendiez de partir, ou, ou même que vous attendiez un papier pour pouvoir partir, vous voyez quelque chose de, de ce genre. Alors bon, euh, la planète est rétrograde, vous ne trouverez pas tout de suite, mais ça va venir. Hein, tout simplement, c'est une question euh, euh, de mieux chercher parce que vous ne chercherez qu'en surface, malheureusement. Alors allez, euh, si vous avez perdu quelque chose, par exemple, vous, vous voulez absolument retrouver avant de partir, allez fouiller dans tous vos tiroirs. Mercredi et jeudi seront deux journées euh, agréables, faciles. Euh, avec euh, la Lune en Verseau, parce que justement ce sont les deux journées où vous pourriez trouver ce que vous cherchez, hein. vous aurez euh, la main euh, heureuse comme on dit, euh, mais ce sera vraiment complètement dû au hasard. Hein. Le hasard euh, sera roi pendant ces deux jours... Euh, Soit parce que vous, donc vous retrouverez ce que vous cherchez, soit parce que vous serez dans un endroit où vous, vous ne pensiez pas atterrir. Hein, vous serez euh, euh, un peu surpris par l'endroit où vous serez. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de la semaine, eh bien euh, une dissonance entre Vénus et Saturne, une opposition et une pleine lune. Alors ça va à peu près aller dans le même sens hein? euh, pour le deuxième décan et le début du troisième. Le premier décan est totalement épargné par la conjoncture, tout va bien pour vous, ne vous faites pas de soucis. Mais alors, deuxième décan, l'opposition de Vénus et de Saturne, elle est frustrante, on le sait, elle est attristante, elle, elle peut aussi vous, vous hein, faire. Replier sur vous-même, ne pas communiquer avec l'autre ou avec les autres en général, et donc il va falloir faire quelques efforts, s'il vous plaît, euh, pour ne pas vous isoler, parce que bon, finalement, c'est à cela que ça peut aboutir, et même euh, la, la pleine lune, elle a un côté un petit peu je me coupe des autres. Alors, peut-être que ça peut être positif, hein, dans la mesure où certains vont avoir besoin de solitude pour terminer un travail ou pour faire une réflexion sur eux-mêmes, pour penser. Euh, euh, bon, le Capricorne, il aime bien hein, penser, réfléchir tranquillement sans avoir personne autour de lui pour le distraire. Hein? On, on, ça peut être le côté euh, positif et là, je vous encourage, hein, euh, bien entendu, à, à, à ne pas faire. Euh, en sorte d'ouvrir euh, les portes à tout le monde. En revanche, si vous avez besoin, euh, il hein, faudra sonder le fond de votre cœur hein, pour savoir, vous pouvez avoir besoin de compagnie, vous pouvez avoir besoin de vous confier, d'avoir euh, quelqu'un euh, qui va vous euh, servir de miroir, euh, qui va vous renvoyer vos, vos paroles, qui va euh, peut-être euh, vous donner... Euh, euh, pas des solutions, mais qui va vous dire des paroles réconfortantes. On en a besoin parfois. Mais je sais que dans certaines situations, rien ne peut euh, être du réconfort. Hein? Je suis d'accord. Mais essayez quand même, faites un petit effort euh, pour laisser l'autre entrer euh, dans votre environnement, enfin dans votre environnement immédiat même dans votre zone de confort. Vendredi devrait être une bonne journée, la lune sera en scorpion qui est un signe amical, alors ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire, vous pourriez contacter, voir quelqu'un, euh, bon vous hésiterez parce que votre nature n'est pas confiante et n'aime pas non plus se confier. Mais là, vous serez en compagnie de quelqu'un, à mon avis, qui aura non seulement une bonne écoute, mais une bonne analyse de votre situation. Donc, euh, soyez à l'écoute. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, c'est encore un petit peu tendu. Hein? Euh, alors, l'opposition de Mercure, elle recule, bien entendu. En apparence, hein, c'est une illusion d'optique, mais bon, ça a un sens pour les astrologues. Donc, il euh, y a euh, très certainement une attente par rapport à une proposition qui vous a été faite. Et euh, bon, l'attente, ça vous rend nerveux, hein, euh, euh, comme beaucoup de monde, mais peut-être un peu plus que vous, parce que vous êtes de nature euh, impatiente, hein, on le sait, euh, les versos. Euh, et puis, il y a Mars aussi qui est opposé à vous. Hein, euh, votre premier décan, tout ça concerne le, encore le premier décan, et bon, cette opposition de Mars euh, peut, euh, comment dire, créer les conditions euh, d'une demande de votre part euh, à qui on oppose un refus. Ou alors c'est vous qui refusez de donner ou de, une réponse ou de, de, de faire quelque chose. et, et et alors ça crée évidemment un, un, un contexte un petit peu de rapport de force. Euh, bon, Comment euh, vous sortir de, de cette situation Alors certainement pas en, en la fuyant, mais en acceptant les compromis, en étant euh, dans la conciliation, dans, en vous adaptant finalement à l'autre. Ne croyez pas que ça va vous affaiblir, parce que souvent le Verseau, comme le lion d'ailleurs qui est face à vous, il a l'impression que s'il fait des compromis, c'est une preuve de faiblesse. Non, c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de euh, que vous êtes dans l'altérité, que vous êtes euh, dans, dans le dans l'échange, dans la communication avec l'autre, euh, parce que vous avez entendu ces arguments et que vous avez reconnu que ces arguments pouvaient être bons. Donc le, vraiment, euh, le meilleur conseil que que je peux vous donner, c'est euh, hein, le compromis, la conciliation, et vous n'essayez pas d'imposer vos volontés envers et contre tous. Samedi et dimanche seront des bonnes journées pour vous, ami Verseau. Avec la Lune en Sagittaire, il y a des projets dans l'air. Alors, je ne dis pas qu'ils vont se concrétiser ce week-end, mais peut-être que vous allez réfléchir. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, par exemple, où est-ce que vous pourriez aller euh, Quelle est la destination qui pourrait être la vôtre ou peut-être que justement vous avez prévu quelque chose hein, et que vous allez pouvoir le concrétiser précisément ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche. Poissons et ascendant Poissons, des bonnes nouvelles pour vous cette semaine, hein, euh, c'est-à-dire que les planètes en, en, en Cancer, qui est le signe du mois, eh ben sont bien disposées à votre égard. Alors on a d'abord le Soleil qui va faire une pleine lune le 16, et puis Vénus qui est aussi en cancer, très bien disposée à votre égard, et opposée à Saturne. Alors, on va prendre cette opposition à Saturne parce que, bon, pour beaucoup de signes, c'est une opposition difficile à gérer, alors que pour vous, les deux planètes sont en, en bon aspect et que vous pourriez être, euh, comment dire, un petit peu, juste un petit peu, euh, face à un choix qui peut être difficile pour vous, parce que ce sera un choix entre amour d'un côté et amitié de l'autre. vous avez pu rencontrer quelqu'un euh, euh, ou, ou tomber amoureux, amoureuse, d'une personne euh, qui est déjà prise. Hein? donc là, c'est une question, bon, est-ce que je tiens compte du fait qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas hein? euh, Il se peut aussi que vous soyez ami avec quelqu'un et que vos sentiments aient évolué. Hein? Tout ça se passant assez rapidement. Si vous êtes en vacances, bon, vous voyez, euh, vous avez été pendant quelques jours ami avec quelqu'un puis tout d'un coup. Euh, vous, vous sentez qu'il se passe quelque chose, etc. Donc, bon, vous sentez d'accord, mais est-ce que l'autre est au diapason C'est la question qu'il faut vous poser et euh, ne pas interpréter vous-même euh, les signaux qu'il qu ou elle vous envoie, parce que euh, vous pouvez les interpréter suivant votre désir. Donc la bonne euh, attitude serait d'aller demander à l'un de vos proches, à quelqu'un qui est témoin de cette histoire, euh, bon, est-ce que je me trompe ou est-ce que au contraire euh, c'est quelque chose euh, que je peux envisager? Lundi et mardi seront plutôt des bonnes journées, justement parce qu'il y aura de l'amitié dans l'air et que eh bien cette euh, amie hein, peut euh, vous servir de référence pour savoir quelle direction vous, vous pouvez prendre, hein, si jamais vous vous interrogez, bien entendu entre amour et amitié, si vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc votre ami, hein, la personne qui sera avec vous, sera de très bons conseils. Hein, sous le signe du Capricorne, il y a Saturne derrière, donc c'est quelqu'un de raisonnable, de sensé, et qui vous dira exactement ce que vous pouvez faire. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là n'oubliez ben, pas de consulter euh, votre horoscope du mois, signe par signe, hein, une vidéo par signe, et puis vous pouvez aussi euh, aller sur le 32 sur astro.rtl.fr, ou sur le site du TV magazine. Bonne semaine!